Bonjour à vous, chers auditeurs. CJPF en direct d'une nouvelle vidéo Android. Aujourd'hui, on va voir comment installer et peut-être configurer Vivaldi. Vivaldi, c'est un navigateur internet créé par des anciens de chez Opera, en fait, et qui est disponible donc sur PC et sur téléphone. Aujourd'hui, on va voir comment l'installer et peut-être le configurer sur Android. Donc pour l'installer, vous êtes dans le Play Store. Vous êtes dans la barre de recherche. Vous tapez Vivaldi. Ici. Puis c'est celui-là. Donc vous cliquez sur installer. Donc là, voilà. Donc là, c'est en attente. Voilà. Donc là, c'est en téléchargement. Donc. Alors, si on regarde les images qui est là, vous voyez ici, par exemple, là, je prends une image. Voilà. Changer l'appareil avec Vivaldi en un genre d'enfant. Voilà. Et si on peut voir le commentaire des autres. Voilà. Ok. Je vous dis à tout de suite. Alors, mes chers auditoires, me revoilà. Donc, alors, le Vivaldi est fini d'être installé. Donc, là, je vais ouvrir. Ah, bah oui, il faut bien être configuré. Donc, du coup, le premier truc qu'on va faire, c'est le blocage des trackers. Moi, je vais bloquer les trackers et les publicités. Alors là, il me dit soit ça, soit ça. Moi, je préfère mieux ça. Thème sombre, ici, clair. Moi, je prends le sombre. Synchronisation, j'ai pas de compte. Là, on va voir, j'accepte. Donc, si je fais, hop, ça. Donc ça, c'est bon. Et je commence la navigation. Voilà. Avec tous les sites qui aillent. Donc, voilà. Donc c'était tout pour installer Vivaldi. Ok. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, en activant la cloche de notification. N'hésitez pas aussi à liker et partager la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.